Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode dédié à Captain of Industry. On va reprendre, on s'est arrêté la dernière fois et donc on en était à réfléchir à ce qu'on faisait par la suite. On a un peu trois grands chantiers pendant que c'est un peu le bordel à droite à gauche. On va regarder un peu ce qui se passe. Parce que là j'ai pas des petits problèmes d'acier. Visiblement, si je produis pas assez d'acier, c'est pas encore catastrophique, mais il va falloir commencer à y réfléchir au bout d'un moment. On garde ça en tête. Tu vois. Un petit morceau. Mais donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour la suite du coup? Et on a trois options. Maintenant qu'on a de l'or, on va pouvoir commencer à faire la suite des circuits électroniques avec l'électronique de niveau 3. Et qui va être un long build qui risque de prendre beaucoup de place. Je sais même pas si ça tiendra tout là, mais au pire, tant pis, on débordera un peu sur le charbon. C'est pas la fin du monde. Ça, on devrait pouvoir s'en sortir. Aller chercher un peu loin. Donc première option. Deuxième option, il va falloir commencer aussi peut-être à retraiter les déchets nucléaires. Parce que déjà on a beaucoup d'uranium appauvri. Mais ça je sais pas si on s'en débarrasse vraiment un jour. Dans l'autre, au pire on pourrait commencer à le bazarder sur le charbon si jamais on n'a vraiment pas de solution. Mais on commence aussi à avoir un petit stock de carburant usagé. Donc ça pourrait être intéressant pour adresser ces deux problèmes-là à la fois. De commencer à recycler. Le problème, c'est que je sais pas si on va réussir à recycler dans cette zone-là. Il va falloir se poser des questions. Notamment, on va probablement avoir besoin de faire passer des liquides, des trucs comme ça, une espèce de petit bus là. Il va falloir commencer à améliorer un petit peu toute cette zone-là, je pense. Du coup, ça n'a pas été super bien designé dès le début. On aurait pu faire un peu mieux. Mais bon, tant pis, là maintenant c'est un peu tard. Et dernière option, enfin ça c'est un petit truc, donc on va peut-être le faire rapidos comme ça après on sera tranquille. On avait commencé à essayer de router un peu tout ce qu'on pouvait de verre et de cuivre hop, pour pouvoir l'amener directement sur le bus et qu'il n'y ait plus besoin de camion. Comme ça déchargera un petit peu les allers-retours des différents camions s'il y a ces ressources-là en moins à trimballer. Donc on va peut-être déjà commencer par ça, ça va nous permettre assez rapidement de poser les bases de ce qu'on a à faire et après on pourra tranquillement sans. Ne plus y penser quoi. Voilà. Donc bon, ouais, commençons rapidos par se faire ça. Donc idéalement on voudrait que le truc. Hop, on va aller faire des slider là le long de route, le long des tuyaux. Parce qu'ils arrivent ici. Hein. Là, on va aller passer là et le long du tuyau. On peut passer là sans problème. Donc là on va pouvoir sortir et idéalement on va falloir les passer là. Parce que le bus est de ce côté-là. Donc une option ce serait de mettre d'abord. Un petit truc ici, comme ça on ne perd pas. Limite là on peut demander. Oh là non, pas du tout. On peut leur demander de raboter ça à l'arrière. Hop. Et non, ils n'ont pas vraiment spécialement envie de retirer des trucs. Bon, tant pis. Hop. Comme ça va nous permettre de continuer avec notre béton. Ouais, il veut pas, bon, tant pis. Bien, c'est comme s'il y avait un petit manque en fait. Ou alors c'est plutôt l'inverse, il faudrait peut-être déjà redéposer pour que ça puisse être un peu carré. Enfin, c'est que là on n'est pas à 6 non plus, quoi, on est à 5. Il faudrait faire une petite pente gentillette. Hop. Voilà, et là c'est bon, on est à 5. Ouais. C'est pas ouf ouf comme histoire, mais bon. Bon, là, on aura besoin de ça pour stabiliser un peu le truc. Deux minutes qu'il pose ça. Pendant ce temps-là, donc le nucléaire, lui, ça tourne, ça va. On va quand même se refaire un petit truc pour stocker. De l'uranium parce que à un moment il faut qu'on arrive à pas boucher la production sinon ça va être un problème. Puisqu'à niveau 2 donc ça peut aller très vite. Allez la déposer ici d'abord que ça soit fini. On n'en parle plus après. Bon, ça y est, il y en a qui commencent.
C'est un peu con parce que ça fait qu'on monte en 6 pour après redescendre en 5. Mais bon, ouais, c'est un peu ballot en fait mon truc, je suis bête. On aurait dû plutôt creuser plus tôt. Creuser tout droit en fait, ça aurait été plus simple, je pense. Voilà, comme ça sera mieux. En fait. Fais des bêtises. Ok, là normalement, ça veut dire que cette tour-là, elle a fini de creuser, je ne m'abuse. Tout à fait. Bon, bah justement, on va l'affecter là, comme ça, il va pouvoir raboter ce coin-là rapidos. Cette partie-là, on n'en a plus vraiment besoin, donc on peut enlever. Voilà. Hop, il n'y a plus assez de tri-sapling. Alors avant, il n'y en avait pas assez, maintenant, il n'y en a plus assez. Enfin, avant, il y en avait trop, maintenant, il n'y en a plus assez. Ah, mais non, c'est juste qu'on ne les achemine pas parce qu'il y a un trop-plein de fruits. Ok, bah alors ça, on va peut-être se mettre en place un petit truc de recyclage aussi, comme ça. Hein. Au moins, ça aura le mérite de fonctionner. Hop. Voilà, et là, globalement, ce qu'on voudrait, nous, ça va être de monter à chaque fois les ressources. Hop. Ce sera ça et ça. Et là. Les patates, on va quand même mettre les autres trucs au cas où. Si un jour on se met à faire du blé, on pourra aussi l'envoyer là. Ok, et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça sur une lift, comme ça. On pourra gentiment bazarder tout ce petit monde. Hop, voilà. Ensuite, arrivé là, bah, on peut redescendre ce bloc-là justement au niveau du sol. Comme ça simplifie un peu la vie. Tac. Et là, on va pouvoir du coup commencer à recycler tout ça. On va voir combien on peut se permettre. Là, on va reprendre un peu le même design où il va falloir repousser à chaque fois. C'est très bien comme ça en fait. Hop, ça va pas nous laisser beaucoup de place, hein, mais bon. Pas trop le choix. Ou alors ceux-là, on se permet de les laisser à l'extérieur là. Ouais, allez. Pas très beau, mais tant pis, ça permettra. J'ai pas mis ça un poil trop proche là pour le coup. Ouais, si. Voilà, comme ça au moins. Tac. Allez, un petit troisième et après, on sera bon. Voilà. J'aurais pu aussi le renvoyer de l'autre côté, mais bon, on n'a pas beaucoup de place pour extension, donc bon, je pense que comme ça va être suffisant. Hop, en plus c'est parfait, cette alignée est magnifique. Donc là, on est bon, on est bon. Ok, donc déjà, lançons ça, comme ça ce sera fait. Si on peut construire, allons-y. Hop, et là-bas, tout ce qu'on veut, nous de toute façon, ça va être de... Allez, tu peux le faire, on y croit. Voilà, ça au moins, c'est parti. Ça permettra de recycler les trop-pleins. Ah, j'oublie un truc, forcément, sinon c'est pas drôle. Et donc, on met la priorité dans les stockages quand même, parce qu'il faut pas déconner. Et après, tout ça devrait nous permettre d'éviter les trop-pleins et de récupérer des graines. Quelles sont les graines? Ah, ou alors j'ai peut-être carrément enlevé les graines et c'est pas une bonne idée. Ah oui, j'ai carrément enlevé les graines. Ok, bon bah hop, on va reprendre un endroit où il y a des fruits, on va remettre des graines. Quand même un petit peu, sinon ça va pas bien se passer. Bon, là c'est toujours un peu limite, mais bon, ça c'est pas très très grave. Peut-être en mettre un pour être tranquille, hein, comme ça au moins on ne s'embêtera pas.
Hop, donc ça, je vais le mettre là, pas envie. Grave, tech, donc ça va là. Ici, du coup, on peut faire un truc qui va chercher le cuivre, un truc qui va chercher hop, le charbon là. Et on a besoin d'un truc qui arrive à aller chercher tout ça. Voilà, il n'y a rien d'autre de particulier à faire, je pense. Donc on va pouvoir commencer ça. Donc là, on n'a pas du tout fait non plus de retraitement des fumées. On va peut-être aussi s'occuper de ça un moment. Voilà, je vais y arriver, pas de panique. Et donc là, on aura une production de 24 x 3, donc ouais, ça sera plus que un convoyeur. Donc on va pouvoir commencer, tac, à mettre du niveau 2, histoire que ça circule bien. Est-ce que ça tourne au moins? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, il manque un morceau. Hop. Voilà, là ça devrait aller mieux. Et niveau fer, on est à quoi? 36, 36, 36. Donc ouais, idéalement, il faudra... Bah, il y a déjà un niveau 2. Ok, très bien. Parfait. Bon, bah voilà. Normalement, ça devrait résoudre nos problèmes. Alors, les camions sont very busy, justement. Donc, on va commencer à réfléchir à ça. Donc là, c'est bon. On a commencé à faire le rabotage. Ouais, c'était pas le bon côté, mais bon, tant pis. Vas-y, finis vite. Pendant ce temps-là, on va continuer à avancer un peu ça, du coup. Donc l'idée, ça serait de passer ces trucs-là le long ici. Celui-là, il va falloir le garder là. Ah bah ça passe en niveau 2 en dessous avec ces ponts-là. Ok, très bien. Là, on est pas mal. Allez, tu peux le faire. Après, je lui dirais d'aller creuser un peu, de raboter tout ça là pour que ça soit bien plat, mais pour l'instant, c'est pas critique critique. Bien qu'il finisse déjà ce truc là. Donc là, normalement, ça, il devrait pas y avoir de problème. Ça peut passer directement là. Ça en est bon. Hop, là normalement c'est pareil. Et fini presque. Allez, tu peux le faire, on y croit. Voilà, donc après pour faire en sorte que ça soit propre, on pourra continuer par là. Mais c'est moins urgent. Ok, le cuivre ça va, l'acier ça a l'air de commencer à se remplir un petit peu, très bien. Normalement on devrait s'éviter trop de soucis de ce point de vue là. Et donc là justement on va vouloir donc mettre un petit passage ici pour que ça puisse aller gentiment. Et on va en mettre un autre. Ouais, pareil, il va falloir attendre. Parce que là, on va être obligé de passer là. Donc, il va falloir mettre un autre pont ici. Il va falloir attendre que ça rabote un peu plus. Déjà, on peut dire que ça, vous embêtez pas trop. C'est comme ça, voilà. Hop. On commence à y voir un peu plus clair. Tant qu'on y est, on peut dire que. Tac, ici. Béton tout du long, du coup. Tac. Là aussi. Hop. Et donc là, on aura notre cuivre et notre. Ce qu'on est là, oui, c'est le verre. Parce que le verre, il va ici. Non, ça, c'est le papier. C'est pas du tout. Il va où le verre, en fait? Est-ce qu'on a vraiment besoin de verre à part là?
En fait, pas vraiment, je sais pas pourquoi je m'emmerde à trimballer du verre là, pas vraiment besoin. Tac 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 tac, glace. Ouais, il y en a besoin pour les composants, mais c'est tout, ouais, d'accord, je m'emmerde un peu pour rien là, en fait. Tant pis, tant pis, tant pis. L'important, surtout de passer le cuivre, hein. C'est lui qui est vraiment le truc bloquant, ça nous permettra d'enlever cette. Cette truc là qui traîne ici. Et donc bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va le passer là. Je pense que ce sera ce qu'il y a de mieux à faire. Hop. Alors là, par contre il y a un truc un peu moche. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai pas la place pour mettre un lift là, ça me paraît bizarre. Non. Pas ce que je voulais. On annule, on annule, on annule. Hop. J'ai rien dit. Je voulais faire comme ceci. Voilà. Alors je l'ai fait avant qu'il y ait les livres, je ne sais plus. Tac. Là on est bon. Ça a l'air pas mal. Et ça, c'est du niveau 2. Ok. Voilà. Alors ça va, ouais, en fait ça va être pas beaucoup mieux là comme ça, il va falloir le décaler d'un cran parce que c'est vrai que j'ai pas laissé la place sur ce bus pour pouvoir mettre les choses bien. On va faire ça comme ça plutôt. Tac. Et tac. Voilà, comme ça celui-là il pourra passer sans problème le long. Tac, là pareil, est-ce que je me ferais pas un petit passage? Bon, là il y aura encore une truc de production, donc on peut se garder un passage ici. Par exemple, ça c'est à peu près aligné, donc on va mettre un passage là, comme ça on sera tranquille. Hop. Quand même plus petit, parce que sinon ça va être chiant. Voilà, quelque chose comme ça. Ce qui fait que là, on va pouvoir ça proprement. Paf, paf, paf. Ok, là c'est bon, ça a bien commencé à raboter. Cool. On va avoir besoin de nos lifts pour nous en sortir. Là, je vais mettre la même en symétrie, mais plutôt dans ce sens-là. Voilà. Et c'est là qu'il va être, falloir être capable de remonter à peu près au niveau du sol ici. Voilà, très bien. Donc ça, c'est cool. Non, juste comme ça, c'était très bien. Donc ça, on va le construire rapidos. Comme ça, les camions pourront toujours passer. Je sais pas si ça permet aux gros gros camions de passer d'ailleurs ces ponts-là, je suis en train de me demander. Une bonne question. Et donc là, la problématique, c'est qu'il va rester un passage à faire ici, et donc il va nous falloir un autre pont pour pouvoir nous en sortir, donc on va dire quelque part par là. 2 minutes qu'ils finissent de raboter cette zone-là quand même. Ça va être tranquille. Mais sinon, on est plutôt pas mal. Et donc ça devrait déjà nous éviter pas mal d'aller-retour de camions juste pour amener du cuivre. Ça devrait nous simplifier un peu la vie. Donc ouais, par exemple, est-ce qu'on a un gros camion qui traîne quelque part? Oui, tiens, toi là. Hop. Navigation overlay. Il y a un peu de vert au milieu. Donc est-ce que ça veut dire que c'est suffisant pour qu'il passe? Je pense. C'est comme ça que j'interprète le truc en tout cas. Ah, c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Ok. My bad, my bad. Hop, vas-y, fini. Parce que les camions reviennent, quoi, pour le vider, mais sinon. Voilà. Hop.
Allez. Ce côté-là, on est plutôt pas mal. Ici, ouais, ok, le truc aura servi absolument à rien. Tant pis. J'ai un peu plus de place, je peux peut-être en mettre un poil plus grand. Est-ce que le médium il est mieux? Ouais, ça change pas la face du monde, mais bon. Voilà, ouais, bah comme ça me semble pas mal, hein. Hop. Et comme ça, on va pouvoir passer notre cuivre. Alors du coup, le cuivre, c'était lequel? C'est celui du bas, le cuivre, ou c'est celui du haut? C'est celui du haut. Ok. Va falloir se mélanger, sinon ce serait ballot. Pouvoir les passer de chaque côté comme ça sera très bien. Alors bah non, justement, pas tout à fait ça que je voulais. En fait, on va faire plutôt comme ça. Hop, hop, voilà. Là, on va mettre notre lift. Et comme ça, on peut connecter là, mais on s'en fout. Et c'est surtout ça qu'il va nous falloir. Est-ce qu'on est d'accord? D'abord, il va falloir construire ça, sinon ça va mal se passer. Voilà, donc le cuivre, il part de là, il monte là, il va là. Donc c'est bien en haut qu'il est. Yes. Bon, bah, on va lancer la construction de ça, et puis ça devrait déjà permettre de voir le cuivre arriver jusque là-bas. C'était le mauvais. Dommage, voilà, en plus j'ai claqué tous mes trucs de construction visiblement. Voilà, non, ça va, on est large. Caran. Alors, tout le bon, il y a eu des petites alertes passagères, mais a priori rien de très grave. Continuons sur notre délire. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, pareil. Bam, bam, bam. Et là, normalement, on est à peu près bon. Allez, c'est le caoutchouc aussi qu'il faudra peut-être essayer d'amener si possible. Ah oui, mais sachant que là, on a besoin de niveau 3. Ok, bon, bah, de toute façon. Pas eu ça, mais c'est pas grave, on va terminer quand même en l'état. Tac, et on sait qu'ici, il faudra que ça vienne dans ce goût-là. Quelque chose comme ça. Alors, est-ce que je vais pouvoir me caler, pouvoir me mettre là? Ça sera dans l'autre sens. On a besoin d'une flat lift du coup, qui ira comme ça. Qui ira comme ça. Non, je suis allé trop haut. Ouais, je suis allé trop haut. Hop, 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 on recommence. Tac. Et bam, niveau 3. Non, c'est pas le bon en plus. Je fais de la merde. Hop. Complètement n'importe quoi. La lift, elle ira là. Voilà. Comme ça, là, on va pouvoir aller chercher tout ça. Du coup là, bam, j'imagine que si on upgrade les trucs au fur et à mesure, ça coûte 15 fois plus cher que si j'avais construit dès le début, mais bon, tant pis. Avec, hop, hop. Donc là, pareil, bim. Là, pareil, bim. Tac, tac, tac. Là, forcément, c'est pas bon non plus. Ah non.
Là, j'ai vraiment qu'à taper dans mes stocks avec tout ça. C'est le cuivre surtout, pas le cuivre, le caoutchouc qui bloque apparemment. Sais pas trop pourquoi. Là oui, il y a carrément pas 18 et 18, ça fait quoi? Ça fait 36. Donc oui, là techniquement, on pourrait demander un petit truc un peu plus rapide comme ça devrait aider à refaire les stocks. Et là en entrée, il y a besoin de très peu de soufre, ça suffit amplement. Ok. On perd de l'unité, qu'est-ce qui se passe? On est en galère en livraison, truc. Ah, on est en galère en eau surtout. Qu'est-ce qui leur arrive? Plus d'eau là. Si mais là, a priori, c'est il y a besoin de deux trucs. C'est ça que... Est-ce que je comprends bien le délire? Minute 84. Je sais pas combien ça peut fournir, c'est ça le problème. Il dit qu'il a besoin de 84, mais est-ce que il y a suffisamment? Pas clair, pas clair. Hop, si on se met ici. Et l'autre, sinon, est-ce que c'est pas lui qui bloque? Hop. Ah bah si, là, il y a un problème de trop plein. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est bien priority in ici. Ah, on manque de chlore. Ok, c'est ça le problème. Eh ben, plus grande prio là, parce que ça va pas du tout. Hop, alerte. Si jamais c'est presque vide. Qu'est-ce qui se passe? On produit pas assez du chlore? Comment ça marche? Non, on n'a pas l'air d'en produire beaucoup. Ok, parce qu'on n'a pas l'air de produire beaucoup de... Ah oui, mais j'avais débranché ce truc-là, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Donc là c'est bon, ils sont arrivés où ils voulaient aller ou pas? Ouais, on va dire que là on va pas aller plus loin. On s'arrête là. Hop, donc on veut repomper de l'eau, s'il vous plaît. Voilà, et on va leur mettre un petit pont histoire qu'ils soient contents. Et on sera tranquille. Allez hop, voilà, comme ça devrait résoudre les problèmes. À la limite, on va mettre aussi une alerte ici, tiens, hop. Petit file if presque empty, comme ça, on sera content. Ok, est-ce que ça va relancer un peu tout ça? Ça a l'air d'être reparti, ouais. Via le sel, on s'en fout. Hop. Voilà, donc ça c'est reparti. Ça attaque, ouais, pareil, là ça aurait pu être un problème de retraitement de toxic slurry, donc c'est pas plus mal. Si on relance tout ça, j'espère que ça va refaire les stocks assez vite. Ici, d'accord. D'abord, on envoie ici, donc ça c'est cool. Ça envoie de la brine un peu partout. Un peu de chance, ça va rétablir les choses assez vite. Station out of fuel, c'est un peu dommage. Cuivre, 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 cuivre. Ouais, bon, là il galère, mais du coup, est-ce que nous c'est bon? On a notre truc partout ou pas? On n'a pas fini l'upgrade, hein, c'est ça? Ouais. Hop. Où ça allait là? Hop. Ok, c'est tout ça d'un cran. Okay, très bien. Donc là, normalement, on devrait avoir notre niveau 3 qui va tourner sans problème. Et là, c'est moi ou ça ne tourne plus très efficacement? Ça a l'air d'aller. Bien garder en tête que si jamais on a besoin, on a de la production en plus qu'on avait construit, qu'on n'a pas encore utilisé. Donc on pourra toujours faire ça. Trop. Et en plus, il y avait l'alerte ici, donc c'était tout à fait logique. Hein. On a reçu un peu de chlore ou pas du tout? Non, pas du tout. On peut remettre un petit peu de stockage
d'uranium appauvri. Bon, on va pas mettre le truc derrière qui bazar parce que visiblement on n'a plus besoin. Ok, donc là c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Yes, donc on peut commencer à arrêter la livraison de cuivre ici. On peut commencer à construire ça par contre. Alors l'upgrade, c'est pas grave. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça. On a du cuivre qui va arriver là. Ici, on peut arrêter ça. Tac, ça devrait se vider assez vite. Après, il n'y aura plus qu'à inverser des convoyeurs et on sera bien. Hop, j'en ai déjà ça. On peut le faire comme ça, tac. Voilà. On attend 2 minutes que ça se vide et après on sera content. Voilà. Ok, donc ça. Tac, on retourne. Et normalement, maintenant, c'est parfait. Tout devrait envoyer. Et donc, là, on a besoin de 24 et 24, 48. Là, on est à un peu plus. On a 72. 72, 96. En fait, on n'avait pas besoin de niveau 3 du tout, mais bon. On est d'accord que les niveaux 2, c'est déjà 100. C'est 200, même. 200, ouais. Donc, on n'avait pas du tout besoin de niveau 3. Tant pis, c'est pas grave. Au moins, on l'aura sous le coude, et là déjà, ça devrait nous faire un petit peu moins d'aller-retour de camion, ce qui est pas plus mal quand on y pense. Ici, toi, tant que tu y es, vas-y, finis de raboter tout proprement, comme ça, on sera content. Hop, tout ça là aussi, pareil, bim, on va tout mettre à plat, comme ça, on ne s'embête pas. Hop, ça sera beaucoup plus pratique. Et du coup, on va pouvoir arrêter cet épisode-là pour cette fois-ci. Finalement, on n'aura pas avancé, on n'aura fait qu'un seul des trois sujets. Mais bon, c'est normal, on commence. On pourra rattraper après. Du coup, on va pouvoir se retrouver dans le prochain épisode où on pourra commencer à regarder soit le traitement des déchets nucléaires de plus, soit la gestion des circuits électroniques de niveau, enfin l'électronique de niveau 3, circuit rouge. Et bah on verra la prochaine fois par quoi on commence. Je ne sais toujours pas. En attendant, moi comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!